Ça va super! Non, c'est pas vrai. Hier, j'ai pleuré, j'ai encore envoyé un message. Ça y est, ça fait 2 semaines! Walou, 2 semaines! Hier soir, j'ai renvoyé un message. Puis bah ça fait 2 semaines et j'ai toujours pas défait mon sac de vacances que j'avais commencé. Donc je suis un peu embêtée, faudrait peut-être que je le range au bout d'un moment, maintenant c'est trop tard hein. J'ai envie de dire les vacances ça aurait été terminées depuis 2 jours donc faut que je me bouge et que je le range. Mais j'avoue j'ai un petit peu de mal, ça me fait un peu mal au cœur. Mais moins que si je l'avais fait il y a 1 semaine. Donc ça va un peu mieux mais ouais hier soir j'ai recraqué dans mon lit comme ça. Puis dans tous les cas, je pense pas qu'il voit mes messages, je pense que je suis bloquée, y a pas de soucis, mais ça fait du bien d'écrire un message, hein. Du coup, j'ai décidé de changer ma manière de voir les choses encore. Va changer encore les choses, et d'abord, il faut que je change de batterie. Du coup, j'ai décidé de changer ma façon de voir les choses, et je pense que je vais devoir passer à la manière forte. Attendez, il faut que je vous lise la phrase. J'ai trouvé la phrase que j'avais lue et qui m'a fait cogiter. Au début, je l'avais pas comprise, mais maintenant, je la comprends. Je la comprends même très bien. En gros, ça dit... Bon, d'après Skip Cardi B qui aurait dit ça, hein, mais bon, je laisse le doute. Ça va me blesser de te haïr, mais t'aimer est pire. En vrai, ça se tient de ouf. Ça se tient tellement comme phrase. Genre, oui, en effet. Genre, là, j'en souffre à aimer quelqu'un dans le vide. Si je me mets à le détester, ça va être blessant parce qu'en soi, je suis aussi obligée de repenser à des choses qui font que je le déteste. Enfin, pour le haïr, il faut que j'y aille, il faut que j'aille chercher dans ce que j'ai un peu reflé. Après, en vrai, j'ai pas allé chercher très très loin. On peut se mentir, il y a quand même eu des trucs que je réalise toujours pas. Et si je me mets à les réaliser, je pense que ça ira. Mais ça me fait chier de devoir en arriver là. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose, non, quand même. Mais bon, quand je vois que ça fait 2 semaines et que ça passe toujours pas, j'aurais peut-être motivé. Bon, on va ranger mon sac des vacances. C'est pas comme si j'étais partie, hein, bah non! C'est pas comme si j'avais fait mon sac qui était bien rempli. Mais même ça, ça me fait quand même bien chier de devoir le ranger. Ça fait mal au cœur. Et j'étais pas trop prête à le ranger, mais bon, faut bien le faire à un moment donné, j'ai envie de dire. Ça fait 2 semaines. D'ailleurs, j'ai toujours ces affaires chez moi. J'ai pas eu de réclamation. Je sais pas si j'en aurais du coup. Tu sais, elles sont rangées dans un coin, hein. Je suis pas une bâtarde, je vais pas m'amuser à les brûler ou à les jeter. Merde, je suis en train de déballer ma culotte comme ça. Tout à l'heure, je plie mes slops. Mais en gros, ouais, je vais pas m'amuser à acheter, brûler, cramer, mettre à la poubelle ces affaires. Je n'ai plus l'âge de faire ça. Hein. Je faisais ça avant, quand j'étais enfant. Après, je dis pas, hein, c'est pas parce que je me décide à passer à autre chose que je vais y arriver, que ça va être facile. Genre, ça l'est toujours pas. La preuve, hier soir, je dis, j'ai craqué encore, je lui ai envoyé un message. Mais normalement, il voit pas mes messages. Enfin, j'espère, parce que si j'apprends un jour qu'il les voyait mais qu'il me répondait pas, j'aurais quand même encore plus la haine, je pense. Parce que mine de rien, j'écris des trucs avec tout mon cœur, tout mon amour, et j'ai pas de réponse. Bon. Après, c'est pour ça que je lui avais demandé de me bloquer, hein. C'est pas pour rien, c'est parce que je savais que j'allais craquer plusieurs fois. Et pour s'en débarrasser, il fallait vraiment que l'un de nous deux bloque l'autre, vraiment. On dirait que lui, ça l'a pas trop dérangé de me bloquer. Je sais pas si j'aurais préféré ça. Que ça se passe mieux, genre autrement, comme c'était prévu, je sais pas. Parce que en ce moment, en vrai, bah, ma vie elle est cool, hein. Je kiffe ma vie quand même. Alors vraiment, hein, je sors, je m'amuse, je fais de nouvelles rencontres, y a pas de problème. Ma vie est cool là. Je travaille encore plus, je profite et tout, y a pas de soucis. Je fais ma vie quoi. Je tente même des nouveautés et tout, y a pas de souci. Et du coup, je sais pas ce que je préfère. Si je préfère ma vie comme ça, ou ma vie avant où j'étais triste et pas forcément de nouveautés, mais j'étais avec quoi. C'est là que je me dis, on est quand même stupide l'être humain parce que, en vrai, là, je kiffe ma vie, y a pas de problème. Mais je préférerais vivre ça avec lui. Vous voyez à quel point je suis piquée dans ma tête? Ouais, c'est à ce point-là. Et là encore, je me dis. D'un côté, j'apprends, je réalise que tout ce que je vis là, bah, au jour d'aujourd'hui, maintenant, je pourrais faire pareil, mais avec lui et kiffer. Le problème, c'est que je me dis, bon, est-ce que ça sera pareil? Est-ce que ça sera mieux? Est-ce que ça sera pire? Est-ce que je vais vraiment kiffer? Est-ce que j'ai vraiment envie de pardonner tout ça? J'ai pardonné des trucs, hein.
des choses que j'ai pardonnées. Et là, j'essaye de les remettre dans ma mémoire pour haïr et passer à autre chose, mais c'est pas facile. Genre vraiment, c'est pas facile. On dirait là, comme ça, ça va, mais je vous jure que... Non, ça ne va toujours pas. J'ai beau sortir, voir des amis, de nouveaux amis, picoler, m'amuser, rire, kiffer ma vie. Et ben, il manque quelque chose. Alors, je dirais quelqu'un, mais après, j'ai pas envie de dire quelqu'un parce que... Ben, c'est pas n'importe qui me manque. Genre, je m'imagine à essayer de le remplacer et... La personne. J'ai pas envie. Genre, non. J'ai envie de voir les gens pour m'amuser, aller picoler, danser, ok, y a pas de souci. Après, voir quelqu'un entre quatre murs, j'ai pas du tout envie. Genre, vraiment pas du tout envie. Mon maillot de bain rouge, j'aurais été belle dedans. Tant pis, c'est pas grave. Après, je dis pas, hein, tout aurait été différent. Sûrement moins bien. Mais hier, j'ai envoyé un message en disant que... Bah, j'aurais aimé quand même passer ma vie avec cette personne et que... Bah, je m'imagine si demain il décède, bah, j'aurais été au bout de ma vie. En étant en couple avec, hein, j'aurais été au bout de ma vie. Et là, je me dis, bah, en soi, c'est dommage de réaliser que la personne, bah là, donc, elle est toujours vivante, mais elle est plus dans ma vie. D'habitude, au bout de deux semaines, on passe à autre chose généralement, on commence à accepter. Moi non, j'ai envoyé un message. Moi je suis née par les orteils, hein, je fais de la merde. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Je sais pas si j'avais d'autres choses à dire, on verra. Mais en gros, ouais, ça fait deux semaines, jour pour jour, et ça passe toujours pas. Ça va mieux la journée, ça va mieux le soir, mais il y a toujours ces moments-là. Pareil, j'ai toujours les petites pensées, les petites visions qui traversent mon esprit, les petits souvenirs, les petits flashbacks, tout ça, tout ça. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Et mine de rien, au fond de moi, je crois que j'ai toujours aussi l'espoir. On se retrouve plus tard. Un autre jour. On verra ce que ça donne, hein. Peut-être au bout de la troisième semaine. De penser à trois semaines, ça me donne envie de pleurer. Deux semaines encore, j'accepte, mais trois semaines. Là, vous voyez, ça commence à me piquer dans mon cœur. On verra bien. Bazo. On n'est même pas encore à la troisième semaine. On est dimanche, c'est mardi. Et ça va pas. Je suis allée en boîte hier soir. J'ai eu la mauvaise idée d'aller en boîte, courir de trop boire. Vraiment trop. Genre vraiment beaucoup. Et là vraiment, il y a eu des musiques qui sont pas passées. Encore à la fête de la musique, la semaine dernière, je suis sortie, ça allait... Il y a eu des musiques, à un moment j'ai eu un moment de « Oula, cette musique, ça passe pas !» Du coup, la fête de la musique, à un moment j'ai eu un petit coup de gros moment de « pas bien ». Mais c'était très vif, très rapide, parce que j'étais entourée de personnes que je connais pas forcément et qui connaissent pas du tout bah, mon ex. Donc ça allait, ça m'a remis d'aplomb, mais j'avais pas tellement bu encore. Enfin, j'étais bien, mais pas au point de là. Et hier soir, j'ai vraiment trop bu. À un moment, il y a une musique, du coup, je m'en vais. Je change de salle, je pars toute seule. Une musique, c'est en mode, non, je peux pas. Puis après, je reviens et je rebois. Et je vais aux toilettes toute seule. Je trouve la solution d'aller aux toilettes toute seule. Et à ce moment-là, je traverse une autre salle. Et dans cette salle, c'était une musique, la même que celle de la fête de la musique qui m'avait mise mal. Je passe dans la salle et j'ai le réflexe de carrément me boucher les oreilles, s'il vous plaît. À quel moment on fait ça? Dans une salle, en plus, en boîte. Ah bah, c'est pas. Et je sais pas pourquoi. C'est un peu flou, mais je sais que j'arrive dans la queue des toilettes. Avec une fille, je parle un peu à une fille, et cette fille, une pépite. Je sais pas pourquoi, je me suis mise à pleurer. Je lui ai demandé d'aller carrément aux toilettes avec moi, alors que je la connais pas, genre de rentrer dans les toilettes avec moi. Et de là, la roue était partie, hein. J'ai commencé à pleurer, j'ai retrouvé mes amis, je pleurais. Elle m'a accompagnée jusqu'à mes amis d'ailleurs, une pépite, adorable. Et après, vraiment, ça a dû être vers les alentours de 4 heures, 3-4 heures, et de 3-4 heures jusqu'à la fin, c'est-à-dire 5h30, je pleurais. Même après, en sortant de la boîte, je pleurais encore sur le parking. Je faisais trop de peine à mes amis. Après, même quand je pleure, je garde le sourire, donc il y a des gens, ils comprenaient pas. Enfin, c'était pas affolant parce que j'avais un grand sourire, mes yeux étaient tout mouillés, hein. Je pissais les larmes. Mais j'avais le sourire, du coup, même les vigiles dans la boîte se sont pas demandé « c'est chelou et tout, qu'est-ce qu'elle a ?» Non, non. Je pleure, mais en même temps, j'essaye d'être joyeuse, et puis bah, ça a donné que ça m'a remise en question sur plein de trucs. Et j'ai réalisé que ça va vraiment pas, en fait. C'est genre vraiment. Et même encore ce matin, j'ai pas réussi à dormir.
je suis rentrée, j'ai pas très bien dormi, voire pas du tout. Et le matin, je recommençais ce matin à pleurer dans mon lit. Je me dis non, je peux pas. Du coup, je suis carrément essayé de, avec l'alcool et tout, j'étais pas bien, de faire une douche froide, ça passe pas. Je suis même allée marcher, dites-vous, hein. Je me suis levée, je suis allée marcher pendant peut-être presque 40 minutes. Ça passait pas. Et toute la journée, ça n'est pas passé. J'ai même repleuré en allant manger au magasin, dans un centre commercial. Et bizarrement, on va dans un endroit où j'avais l'habitude d'aller avec. On passe par un chemin où je me retrouve exactement dans sa ville, alors que c'est pas normal. Oh, mais quelle pisseuse je suis. Mais aujourd'hui, c'est fatal. C'est vraiment pas facile. Ça me saoule. Ah, je comprends pas. D'habitude, au bout de 3 semaines, ça devrait passer. On devrait trouver quelqu'un d'autre. J'essaie de me rapprocher d'autres gens, mais ça m'intéresse pas. J'en ai rien à carrer. Et comment je vais m'en sortir? On me dit que c'est encore le début, que c'est normal, que c'est pour ça. Mais pour moi, c'est pas normal. C'est pas habituel. Parce que, en soi, j'arrive pas à faire une croix dessus dans mon esprit, dans ma tête. J'ai encore de l'espoir. Je ne sais même pas d'où il sort cet espoir, de pourquoi j'ai encore espoir. Genre vraiment, je comprends pas pourquoi. Mon cerveau ne veut pas faire une croix dessus. J'y arrive pas. Genre vraiment, il me manque. Sinon, je me suis bien amusée en boîte hein, avant tout ça, même un peu pendant, mais je pleure, je pleure. Je pleure et je pleure. Ça va faire 3 semaines et ça passe toujours pas. Pourtant, ma vie, elle est trop bien, c'est ce que j'arrête pas de dire. En ce moment, j'ai ma best life. Vraiment, ma best life. Mais ça, ça flingue tout. Genre, le travail, ça se passe bien. Les amis, j'en ai plein des nouveaux, ça se passe super. Plein de nouvelles copines. Franchement, c'est cool. Mes soirées sont bien, mais... Niveau argent, du coup, ça va. Famille... Ça va, mais ça, ça me flingue tout. Genre vraiment, il y a tout qui va bien. Il y a même des trucs où j'ai de la chance par moment et ça se passe bien sur certains trucs. Mais je peux pas m'empêcher de penser à ça, à ce problème-là de relations amoureuses, de sentiments à la con. Ça flingue tout. Genre, ça suffit pas. Je me dis, est-ce que je préférerais pas au final juste avoir une vie de merde ? Et être avec, avoir une vie bien et être sans. Je sais pas, je comprends pas. Je suis désolée, hein, mais ça coule tout seul, quoi. Je pense que j'en ai besoin. J'ai besoin de vider encore mes batteries de larmes. Elles sont bien rechargées, là. J'arrête pas de chialer. J'ai chialé vraiment toute la nuit, quasiment. Presque toute la journée. Et je me dis, je l'ai même pas revu, donc je sais même pas pourquoi ça me touche encore autant. Je vais y penser, je vais avoir envie de pleurer, pourtant, bah, la semaine dernière, ça allait. Pourquoi là, ça a rechangé? Pourquoi mon cerveau n'est pas resté sur cette voie-là? Et en fait, c'est parce que j'étais dans ma semaine de déni, je crois, je pense. Je suis partie dans une semaine de déni où j'y pensais peut-être pas trop. Ce qui fait que là, bah, du coup, je ramasse les pots, on va dire, enfin, les pots cassés. Genre même avec moi-même en ce moment, je suis bien, genre physiquement, j'ai pas de problème, sur des complexes, j'en ai pas. Non, franchement, ça va quoi, tout est bien, hein. Sauf ça. Et je chiale pour ça. Alors qu'il y a pire dans la vie, je sais, hein, je sais pas le contraire, j'en suis très très consciente. Mais je suis pas bien. Genre je souffre d'une situation aussi débile. Et je m'en veux, hein. Il y a un blocage qui fait que bah j'y arrive pas et j'ai pas envie. Par moments, j'ai trouvé des musiques, des phrases qui vont m'encourager à passer à autre chose, mais genre, vraiment, je suis qu'au début et je comprends pas. Il veut pas récupérer ses affaires, il veut pas me rendre les clés de chez moi, je sais pas. Ça aussi, c'est des questions que je me pose en mode, mais il y a ça qui me laisse croire que c'est pas normal. Faut que je trouve des solutions encore. Là, aujourd'hui, je pense que je suis encore un petit peu avec l'alcool dans le sang, la fatigue, parce que du coup, j'ai pas vraiment dormi. Peut-être 1 heure ou 2 max. Mais il faut que je trouve une solution parce que j'en peux plus et je veux pas mettre de faux espoirs sur quelque chose qui va me faire encore plus mal une fois que mes espoirs seront anéantis. Vous voyez, j'ai envie, hein. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment pas envie. C'est vraiment pas fastoche. Vous allez me dire, bah remets-toi avec. Je pense pas que ce soit aussi simple. Et c'est le problème que j'ai, c'est que dans ma tête, je me dis, remets-toi avec. Et d'un autre, je me dis, dans tous les cas, c'est même pas sûr qu'il veuille. Et surtout, pourquoi si c'est pour continuer et refaire la même chose? Je sais pas. Ah, je suis navrée. Quelle pisseuse. Faut que j'y arrive. Et quand je dis ça, j'ai envie de pleurer. Parce que j'ai pas envie. Ah, passer toute ma journée après ce que je suis allée. Et je crois qu'on est qu'au début. Bon, j'allais me reposer, ça ira mieux, je pense, demain. Et on verra par la suite ce que ça va donner, du coup.
pour la dernière partie. Mais on voit bien que finalement c'est plus facile quand on n'aime pas les personnes avec lesquelles on sort. Tout se passe mieux. Même la rupture, elle se passe mieux en vrai. Bon bah du coup, il y a eu un tout petit peu d'avancement, j'ai envie de dire, dans l'histoire. On n'est toujours pas mardi, on n'est que lundi. C'est hier encore que je pleurais ma race. Ce matin encore, c'était pas trop facile. Aujourd'hui encore, c'était pas trop facile. Du coup, je m'étais trouvé des amis avec qui rejoindre boire un verre et ma sœur au resto ce soir. Mais dans la journée, mon meilleur ami me dit « Ouais, tu fais un truc ce soir ?» Je dis « Bah non, c'est pas prévu et tout. » C'est vrai, c'était pas prévu à ce moment-là. Au moment où je suis prête, habillée, les chaussures au pied, les clés dans les mains, à sortir, il me rappelle et il me dit « Ouais, je t'avais dit de pas sortir aujourd'hui. » J'ai dit « Pourquoi ?» Ça a changé, mais pourquoi ? Il me dit « Parce que là, normalement, il y a quelqu'un qui doit venir. » Je fais un silence, je dis « Non. » Il me dit « Si, si, il vient. » Normalement, il vient de voir, là. Il me dit « Par contre, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Je lui dis « C'est bon, je sais déjà c'est quoi la mauvaise nouvelle, c'est il vient récupérer ses affaires. » Il me dit « Oui. » Mais il vient. Je dis ouais ok, du coup je me retrouve là en mode bah je fais quoi? Genre j'annule et tout en mode Du coup je me dis bah tant pis, je vais au moins aller au resto avec ma sœur et tout, le temps qu'ils me disent l'heure, donc j'attends. Il me dit ouais mais il arrive dans telle heure et c'était genre au bout d'une heure. Je me dis bah sinon tant pis, je vais voir avec ma sœur pour qu'elle lui dise un message que bah ce sera pas avant telle heure, donc 30 minutes plus tard tu vois. Au final ça l'a saoulé, il veut plus venir chercher ses affaires, je me dis bon. Là, du coup, j'ai tout annulé. Je me suis retrouvée à tout annuler. J'étais même partie un moment. Je suis revenue pour qu'au final, ils viennent plus. Ça me saoule. Genre, vraiment, ça me saoule, quoi. J'avais envie de lâcher ma phrase en mode « Ah, t'es venue récupérer tes affaires. T'es pas venue me récupérer moi, hein, c'est sûr. » Au final, là, j'ai le choix entre, bah, du coup, risquer que ça se reproduise ou moi, aller lui rendre ses affaires et me dire que dans tous les cas, il n'y aura pas de retour en arrière parce qu'il a toujours les clés de chez moi aussi, faut pas oublier. Ce serait peut-être bien que je les récupère. Je sais pas quoi faire, là j'hésite. Je pense que je vais aller lui redonner ses affaires et que bah si je pleure pas trop après, j'irai quand même au resto, il est encore assez tôt. Mais il faut que je fasse un truc, je peux pas rester là du coup à avoir annulé toute ma soirée, tout mon planning, à juste aller au resto alors que de base je devais aller au resto et voir des potes, mes potes là ils vont faire la gueule, après ma soeur elle peut faire la gueule parce que du coup je suis pas allée au resto. Et je me dis là en plus ça me tracasse tellement que bah si je fais rien je sais que je vais pas manger, je vais rien faire et je vais rester là comme une con. Donc je me dis je crois que je vais devoir aller apporter moi-même ses affaires et récupérer moi-même les clés de chez moi. Alors que c'est pas à moi de le faire normalement, enfin... C'est moi qui l'ai quitté, ok, mais... Enfin voilà quoi, je sais pas. Est-ce que je lui apporte ses affaires? Est-ce que du coup il y aura une suite à tout ça? Est-ce que dans la prochaine séquence je serai en train de pleurer toutes les larmes de mon corps? Après je me dis il y aura vraiment pas de retour en arrière et peut-être que ça enlèvera tout l'espoir que j'ai encore. Parce que dans tous les cas je vois encore plus que d'un certain point de vue c'est foutu. Hein, y a pas d'effort d'un côté, il y en a que d'un. On va arrêter de faire des efforts, je pense qu'on va se rendre à l'évidence. Donc on va aller... je pense qu'on va aller lui rendre toutes ses affaires. On va aller tout lui rendre et puis je verrai bien. J'ai essayé. J'aurais essayé. Mon meilleur ami aura essayé. Merci à lui. Mais comme quoi, c'est vrai, ça sert à rien de continuer, de forcer, de persévérer, de persister. Le problème ne vient pas de mon côté, encore une fois, je le vois, vous le voyez, je fais des efforts, c'est moi qui vais encore aller. Donc vraiment, tant pis. Hein. Puis comme ça, il n'y aura pas de suite à tout ça. Il n'y aura plus la possible suite d'attente. Oh, mon bébé d'amour, t'es toute belle. Allez, j'y vais, en plus, t'es en train de foutre des poils partout sur moi et de taper dans mon micro. Ah, je suis pas sûre de filmer la suite du rendez-vous ce soir, donc on verra demain. Sinon, bah, portez-vous bien, hein. Soyez sages et faites pas de bêtises.